être compliqué. Ah, d'accord, le mec devant. C'est moi. Je me tue orange. Ça va être très compliqué. Alors évidemment, bonjour à tous. Salut. On n'est pas dans le même serveur. Oh le son. Tu passes à combien de tours? À fond. 8-9 fils. Ton truc devient vert. Ouais, il devient vert. Ouais. Ou rouge ou vert. Ah, j'ai le rouge moi. Ouais, c'est rouge. Bon, ben, un peu plus de 9000, c'est bon. Bonsoir, messieurs. C'est quoi de 4000? Bonsoir. Je suis désolé, je vous entends pas. Hein. C'est avec le son. Mais le problème, c'est que moi non plus. Le son du moteur, il me déboîte les oreilles. Eh, mais c'est bien avant tout ça, en fait. Eh oui. Ah, mais c'est bon. Ça. Ouais, mais va-t'en les tenir. Hein. C'est le meilleur des drafts. Ah, mais oui, c'est clair. Zoltan, salut, mais on t'entend pas. Oui, je t'entends pas. Oui, non, mais c'est pas grave. Outside. Bon, comment on fait pour rejoindre quelqu'un dans ce putain de jeu? Putain, mais les gars, c'est ouvert. Hold your line. Clear outside. Allez, boss. C'est ouf. Je vais perdre mon bras. Oh, j'ai reçu un bout de... Un caillou qui a tapé sur le capot. Ils veulent pas drafter, hein. Alors, explique-moi ce que ça veut dire déjà. Car inside, car inside, too wide, clear. Tu n'as pas voulu drafter avec moi. Ah bah le mec il a poussé. Sorry. Allez, j'espère qu'on va être ensemble. Ah, moi c'est la 15. Cali c'est pareil, c'est tout seul. Ah ouais, ok. Et là, les deux tours, bonne chance pour avoir le draft, Andy. Bah, pas de problème. Je vous base. Putain! Ils sont quand même des couilles. Ok, here comes your first time draft. Pourquoi, mais je le sens pas. Ça, c'est aussi ce sentiment de. Oui. Ça pue. Après, heureusement que c'est pas le même ratio que. Ah oui, c'est ça, je m'en branle total. Enfin, non, quand même pas, j'ai fait. Bah, l'Oval, non, peut-être pas, va paniquer la course de certains mecs, mais c'est pas ce qu'on veut dire, mais. Non, c'est pas la si même. Si je suis mauvais là-dedans, je me sentirais pas un pire joueur, quoi. C'est ça, voilà. C'est tellement et spécifique, j'ai... quoi. Et j'ai pas pour autant foutu dedans. Non, c'est clair. Mais les boss. Ah, c'est impressionnant. Alors, au PC Racer, faut des bras. Hein. Putain, des fois, t'as un moustique qui vient taper. Ah, c'est ouf. Je crois que beaucoup ont dit que c'était la meilleure simulation de course sur ovale depuis NASCAR Racing 2003. Et je valide. C'est ouf parce que e-racing c'est quand même des technologies modernes, mais un gameplay et des sensations d'il y a 20 ans en fait. Et c'est ça qui est formidable. Et direct X11. Ouais, mais regarde, je suis à plus de 80 FPS, ça fait nickel quoi. Et je record en même temps. Puis 84 FPS sur un 4K qui fait 140 cm. Ah. Après, est-ce qu'on peut pas aller à plus de 80 FPS? Certainement. C'est super bien optimisé. Oh, le j'ai hâte de découvrir la course en paquet, en départ lancé. Ça va être, à mon avis, une expérience assez incroyable. Un tour ou deux tours, Pesca? Bah pas de tour en fait, tu fais 500 mètres. Non, tu fais un tour. Tu fais un tour complet? Ah oui. Ouais. 50 secondes, 514 pour moi. J'ai pas regardé. Moi c'est 50 secondes, 400. 50-500. 50-487. Ah, 75 moi. T'es juste devant moi, Max. Ouais, on parlait standard. Et bah normalement je dois voir... Max, t'es juste devant moi à droite. Mon ami Maxime juste derrière. Exactement. Fais coucou. Donc on a Andy... Je pourrais te faire des appels de phare, mais j'ai pas l'option sur ces trucks. Y'a pas de phare de toute façon. Andy sur la gueule juste devant, et derrière à ma gauche, vous voyez un tout petit bout de la voiture orange. C'est Emeric. Donc on va faire un tour sous pace car, le pace car va s'écarter. Ouais. Et on va partir pour 10 boucles, c'est ça? Ouais. Et la question est s'il y a crash sorti du pace car, oui ou non? Normalement, oui. Ah non, carrément, pas dans celle-là? Pas de pace car. Ah d'accord. Ok. Donc quoi qu'il arrive,
Roulons pour la gloire. Par contre, tu dois suivre la bagnole de devant, tu t'en bats celle d'à côté. Hein. Si le mec est en retard, tu suis celle de devant. Bah, c'est ta ligne, de toute façon, ça a toujours été comme ça en NASCAR. Ouais, mais parce que moi je me suis fait avoir. Le draft, de toute façon, cherchez pas, ça se fera pas dans les courses en rookie. Non, c'est chacun pour soi et voilà. J'ai tellement peur du crash au turn 2. Bah, c'est pareil, mais c'est pareil. Il y en aura sûrement un. Hein. Ouais, bah, pas avec nous. Bah, non, on est pas trop mal placé. Hein. 8 et 10, on est un peu dans le paquet, mais ça devrait pouvoir le faire. Moi j'aimerais pas être derrière par contre parce que... Bah 5 places derrière je serais un peu angoissé quand même. Ce qu'il faut c'est très rapidement aller choper l'intérieur sinon on va se faire... Ouais, c'est ça. On va se faire dégager, ouais. Max. Et en plus nous on a peut-être Rick qui pourra nous aider pour nous ouvrir une brèche mais... Ah, faut claquer la première, la PSK va partir. Ouais. C'est parti les gars. Attention au démarrage, hein. Faites un truc... smooth, sinon vous. Sinon, c'est peut-être le moteur derrière. Line up on the outside. Pit road is closed. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'étais ado, je parcourais des courses d'endurance avec des amis, etc. En multijoueur ou en LAN, on faisait des courses d'endurance. Et une fois, je me suis inscrit à une course qui avait lieu à l'époque sur le circuit Oval 2. Darlington, je pense. Et on avait droit à, sur GTR2, à cet ovale de Darlington, je pense. Et on roulait avec les GT1. Et à l'époque, il y avait le mode qui était sorti, le mode prototype en 2008-2009. Et tu avais la Peugeot 908, l'Audi R10 et tout ça. Et on avait fait une course d'endurance. Et on partait sous départ lancé exactement comme maintenant. Et mes potes ont dit « Max, on te laisse prendre le départ ». Et moi, j'ai dit « Cool, je connais bien l'auto, etc. » Nous, on roulait en Division 2 avec les Porsche NGT. Et on s'est retrouvés sur le toit à l'entrée du Turn 2 parce qu'il y a une Audi qui a décollé. Ils se sont touchés, l'Audi a décollé. Je suis passé en dessous. Et après, l'autre voiture qui était en contact avec l'Audi m'est revenue dessus. Et on n'a pas relancé la course parce qu'il y avait moins de 5 voitures impliquées dans le crash au départ. Get ready. Départ en green. Allez, ça va partir, les gars. Le sel. Allez, bonne chance. Il y a des avions ou quoi, un truc comme ça. The pace car is in. Green, green, green. Le mec, on est avec 60 tapis, il te fait... Attends. Oh putain, j'ai mis la première. Oh, j'ai fait un calvaire. Oh, je suis désolé. Ça a tapé. On est bon, on continue. Ça a tapé derrière. Maxime, j'essaie de te rattraper pour avoir le draft. Ah mais moi je suis derrière. Hein. Ouais mais sinon je suis derrière vous, regarde. Ah ok. Et en fait ça a tapé, j'ai esquivé. Mais ça a tapé de ma faute en fait. Ah merde. Parce qu'en fait j'ai fait un... Au lieu de faire 2-3, j'ai fait 2-1. Méfiez-vous après le départ parce qu'il y a des voitures. Ah c'est bon, je vous rattrape. Ouais. Oh, oh devant, ça touche. Go low. Go high. J'ai rien touché. Oh mon dieu, c'est un scandale. Jamais touché personne. Moi, j'ai l'impression d'être Danny Kapatrick. J'évite tout et à la fin y en a un qui me rentre dedans. C'est moi. Avec la fumée, je t'ai pas vu. Mais est-ce que ce monde est sérieux? Allez, ça continue! J'ai pas vu ta fumée, Max, je suis désolé. You're in the top 10. Ah, je suis dans le top 10? Bah, génial! Super info en tout cas! En fait, avec la fumée, j'ai rien vu, vous pouvez rien voir. Bah, j'ai freiné, j'ai évité tout le monde, je voyais Andy devant moi, ça passait bien, on avait fini tout. Et. Bah non, oh là, y'a un moteur qui va claquer dans la ligne droite de retour parce que là, c'est. Ça fume noir là, je sais pas qui c'est, mais. Christian. Ouais, Christian. Oh là là, ouais, il y a un bloc. Eh bien, mes cadets, eh bien, mes petits frères, ça commence bien. Deuxième tour. Vous rentrez au pit, les deux, derrière, là? Non, moi, je vais au bout. J'aurais pas le moteur pour aller au bout. Andy, tu vas rentrer, non? Non. Oh, ouais, on va au bout. Hein. La voiture tient bien, hein, ça va. Bah, ah, moi, par contre, il manque 10-15 km de vitesse de pointe, mais tant pis. Regarde, moi, ce qui me manque. Arrive. Je suis à 263 en vitesse de pointe. Oh bah ça va. T'as combien toi? 263. Ah bah c'est pareil. J'ai 285. Je suis à 248. Voilà. Mais t'as touché toi, Mike? Ah oui, t'as touché. Ah, il m'a rentré dedans. Avec la fumée, je l'ai pas vu, j'ai pas pu l'éviter. Là, on revient sur Andy, ça va être bien à 3 là.
Ah, je veux bien ralentir pour essayer de vous choper. Mais... Non, 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 ralentis pas. C'est à nous que on va te rattraper quoi qu'il arrive. Ah, je m'arrête. Salut. Je vais m'arrêter, le moulin il respire pas assez. Je l'ai touché le mec. Là, je sais pas quoi faire, pas arrête, arrête pas. Il est parti d'un coup comme ça. Oh, Emmerich! Ouais, ouais. Oh! Mais il est ouf! Allez, salut! Emmerich en plein milieu du business. Ah, mais j'ai plus de moteur, je peux plus rien faire. Ah là là. Hashtag le chat, ça gagne. Quoi, j'ai eu total. Emmerich, lolo pour moi. Je suis à 14. Mais tu fais quoi? Bah, je suis à gauche. Mais l'eau! Ah oui, l'eau, c'est en bas! Ah putain, truc de fou! Qu'est-ce t'en penses? Emmerich, faut plus le ramener sur un Oval, hein, on me dit, c'est fou! Mais je peux rien faire! Ah, je suis à 2,38, c'est dur! Moi, je suis à 2,48. Oh là là là! Bon, écoutez, on est pour l'instant. Je sais pas où on est d'ailleurs. Pour l'instant, dans la merde. C'est dommage hein, parce que c'était bien parti, on avait évité le Big One, on était passé. Et malheureusement, Emmerich, tel un conquérant. Ah, je t'ai pas vu. Avec la fumée, je pouvais pas te voir. C'est toi qui en stress mais... dans l'herbe là. Non, 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 je m'arrête depuis. Parce qu'il y a une autre. En fait, c'était peut-être pas toi que j'ai percuté ici. Moi, il n'y a qu'au début que je t'ai touché. Ah, donc c'était pas toi. Parce qu'il y avait un autre pick-up orange avec lequel j'ai eu mon accident dans la partie principale. Ah, si, c'était moi, ouais. C'était moi. Oui, mais quand tu m'as rentré dedans derrière. Ouais. Mais après. Il y a un moment, t'es parti en tête à queue devant moi. Ah oui, c'est ça, oui, voilà. Bon, on est à 274 en Vmax. Mais c'est dommage, hein, mais c'est compliqué, je pense. Si t'as pas une course très longue, les pilotes vont être, à mon avis, très chauds très vite. 10 tours, c'est court. Oui, c'est très court, bien sûr. C'est étonnant. Mais, ah, le tour, il se fait en quoi 50 secondes, donc t'en as pour 7-8 minutes. Allez. Ouais, faut dire avec les cautions et les. Ouais, les vitales 10-12. Bon, en gros, c'est fait pour que la course fasse un tout petit peu mal. Il y a un avion qui atterrit, lol. Le week-end, face à tout petit peu moins de 30 minutes. Yep. Je remonte sur la voiture devant moi, 6 secondes. Bon, à mon avis, c'est ça compliqué, mais on va essayer. Ah, moi, je suis 13ème du coup. Je suis P8, visiblement. Eh bien, course première course sur Oval qui aura été très animée. On aura fait notre lot de fautes, on aura essayé d'éviter les accidents, mais c'est pas simple. On a une voiture qui sort des pits devant nous. Ah, je me draft avec le troisième, c'est génial. Car inside. Clear. Car outside. Clear. C'est qui a fait ça? Pas moi. Juste au moment où il y a un pilote qui me double à l'extérieur, j'ai cru que j'étais en train de le toucher, c'est le bruit de deux métal, deux métaux ensemble. Non, c'est moi, désolé, j'ai redoublé. Ah, voilà. pas de soucis, c'est pas grave, t'inquiète. Non, c'est okay, juste là. Que, non, si juste au moment où t'as remis. Je perds des points. Hein? Ça a bien dû te faire peur. Si je touche pour rafler, je perds des points. J'ai un type qui arrivait beaucoup trop vite, il m'a fait. Juste au moment où t'as reniflé, j'ai fait. Oh mon dieu, c'est fini. Pardon. L'angoisse totale, excuse-moi. Oui, tellement. Si on peut être drafté par une voiture en bon état, ça peut aider. Hein. Ah, c'est ce que je fais là. Là, je suis remonté à 2,86, 88.
T'es à 2,88 ouais, tout le temps. Je suis à 2,65. Follow me. Ah mais au lieu de le drafter, il se met à ses côtés. White flag, one more left to go. White flag, ah bah c'est gentil ça. Content d'en finir. Tiens. Pour moi, on est dans le tour du leader. Ah, ça y est, les compliments des premiers arrivent. Edward. Redading. Marcos. You're a fucking cunt. Il va aller se mettre tout seul dans le mur. Bah, le leader s'est planté. Ah oui, il y a de la fumée dans la... Inside. Ouais, on gagne une place. Ouais. Il y a une voiture qui était arrêtée dans l'intérieur de l'infield. Enfin, dans l'infield, techniquement. Un pléonasme. Il y a bon Dieu, faut des bras hein, pour tenir ces gros pick-up. Le mec est chaud. Le mec est devant Wembley. Allez, c'est fait. B4. B7. Eh bien, mes amis, ça aurait été un premier contact difficile. Surtout pour... Hein. Ouais, au premier tour, c'est un contact difficile. Hein. Ouais, effectivement, c'est bien le mot. Je crois que je vais appeler cette vidéo « Premier contact difficile ». B4, ah, je suis content. Bah, P7, c'est pas mal. Honnêtement, je pensais que j'allais faire bien pire. Bah, je fais B8, je termine derrière toi. Voilà. Ah, encore désolé pour moi, je l'avais pas vu. En tout cas, l'ovale est très compliqué. C'est très compliqué. Et on voit que c'est très bien fait, hein, honnêtement. Quelque chose totalement à part. Hâte de tester ça en dirt, du coup. Good job, everyone. Good job. En PLA maintenant. Alors pour le dirt, c'est très compliqué, encore pire.